Il serait pas gratuit en plus le jeu? Ça a l'air tout à fait fun. Ah! Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce que ça vaut par contre. Hein. J'ai trouvé ça rigolo, mais après je sais pas si c'est bien ou pas. Mais le principe en tout cas a l'air plutôt cool. Visuellement c'est pas mal, je crois que c'est jusqu'à 8, ça a l'air gratos. T'as des ligues et tout, t'as du classé, enfin t'as quoi t'as quoi t'éclater quoi. Enfin, j'adore la poudre! Oh là là, qu'est-ce que c'est bon de jouer la poudre là. Je me demande s'il y a beaucoup d'autres joueurs qui jouent à la lame. Ils sont tous avec les lames de gratuit. Sinon c'est combien? C'est quoi? Tu dois aller acheter les persos ou t'as un pack complet ou tu débloques tout hein. On pourra en faire des game viewers si vous voulez hein, à l'occasion. Enfin pas là ce soir parce que là c'est des OS games mais ça me ferait ça me mirait de faire des game viewers dessus. J'aurais bien testé en fait, je suis curieux quoi. Pour la science, pour apprendre. Il va croire que je le plagie Herman. Je crois qu'il a le coronavirus, le pauvre. Je sais pas si c'est une blague ou pas, il est malade, ça c'est sûr, mais je sais pas si c'est vraiment le corona ou pas. MH, LOR, F14. C'est quoi LOR? LOR, je sais pas ce que c'est. 20 euros le pack, oh, ça va. Attends, là c'est là d'où je viens, non? Oh là là, enfin attendez. Ah ouais. Pas trop, j'ai pas compris. Merde, c'est le jeu de cartes de LOL, hein, c'est pas ça? C'était sympa, mais c'est vrai que les jeux de cartes, je suis plus trop dans le mood. Hein. J'ai eu celle, j'ai eu une période de temps en temps, tu vois. Ça va, ça s'en va, ça s'en va. Ça s'en va, et ça revient. Tu peux farm les persos pour. D'accord. Ah, mais donc tu peux farm. Putain, ça c'est propre par contre. Dans un jeu payant, si tu peux farmer ce qui est payant, je trouve ça toujours cool, j'ai un. Aïe 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 aïe. Ok. Bon, on doit arriver à la fin du truc là, on doit avoir l'énigme finale. Puis c'est la semaine prochaine de bêta. D'accord. Oh, c'est sur TFT sur mobile, je trouve ça trop cool. Je fais toujours une autre petite game avant de me bouger. Il est plutôt propre TFT sur mobile en soi. Mais il est surtout bien pour les gens qui jouent déjà sur PC. Parce que les informations sont quand même moins claires. Donc quand ils jouent déjà sur PC, c'est propre. Mais si tu joues pas au moins sur PC. Il y a des chances que avec la version mobile soit pas suffisante. Le top 8 me manque. Ah, je suis plat 3 pour l'instant. Ça passe pas si mal en vrai. Ça m'en fout depuis une ou deux saisons. Ouais, il y en a que 3 de toute façon après. Donc, vous insérez la clé crâne dans la serrure. Ah, la clé crâne, il appelle ça le mec. C'est. Ah okay. C'est pas une clé crâne, c'est la tête du fiston. Mais. Pauvre gamin. C'est pas une clé crâne, c'est la tête du. C'est la tête du gamin, enfin. On a été chercher, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allons bon. Une clé crâne. Oh, je dois aller. Putain, moi qui pensais arriver à la fin du labyrinthe, ma tristesse est infinie. Hein. Ma tristesse est infinie. Un. Ah, trouvé. Voilà, ça me rappelle un truc ça. Voilà. D'accord. Ah, déjà tu nages. Ok, bon ça tu peux me grimper dessus. Casser les couilles. On peut plonger ou pas? On peut pas plonger. Lui. On peut pas plonger. C'est bizarre qu'on puisse pas plonger, ça me perturbe. Ah, je suis revenu au début, c'est ça? Ok, alors je crois que je comprends. Faut que j'attende la, faut que j'attende la toute mûche là. On va... Super pour un perso en vrai. Oui, après 20 balles, tu vois, pour un pack de personnes en brolala. Enfin, je trouve pas ça choquant si le jeu est bon. J'en sais rien si le jeu est bon ou pas, mais. Ce que je veux dire, c'est que 20 balles, je trouve pas ça non plus. Enfin, un ou un autre, faut que les mecs ils bouffent, quoi, quand même, tu vois. C'est. Je pense que j'ai jamais aimé trouver les jeux gratuits. À part, tu vois, ça avec Dauntless.
pour le coup, j'espère qu'ils ont pas mal, j'espère qu'ils ont assez de pognon parce qu'ils ont vraiment fait un bon jeu. Mais je serais pas choqué qu'ils soient payants, toi, donc là, essentiellement. Oh putain! Oh, mais quel enfant! Oh là là, si je dois faire le tour à rouler dessus, ça va me faire péter un câble. Ça va être terrible. Hein. Il est où l'escalier? Il est où l'escalier? Oh putain. Oh putain! Tu vois, par exemple, Dauntless, en vrai, ils enlèveraient le pay to fast et ils le transforment, ce qui est un petit peu pay to fast, ils le transforment en un buy to play où t'as le même bonus, genre à 19,90, ce serait pas mal, tu vois. Mais après, ils auraient peut-être pas autant de joueurs qui auraient payé, ça aurait peut-être été moins rentable pour eux. Après, je sais pas en termes de finances où ils en sont, parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de monde, pas quand même en millions de joueurs, hein, plutôt. Il fallait sauter par au-dessus en fait. Oui, yes. Ok, raccourci des côtés. Ok. Donc on a plus le truc qui roule. Bah écoute Sky, je sais pas à quel point tu passes hein, sur la chaîne, bien t'as quand même pas mal de points donc tu vas être régulièrement. Je sais pas si t'as pu voir, hein, je stream en ce moment le jeu quasi quotidiennement. En gros voilà, mon stream aujourd'hui s'articule autour de plusieurs concepts, à savoir donc les OS Games, le JT Lume Porg, et donc des sessions FF14 et Dauntless quasi quotidiennes. Avec ça tu rajoutes bah, les mardis, un mardi une histoire. Bah c'est, est-ce que c'est mieux que mardi, tu préfères les mardis narratifs? Ah bon, j'ai pas le droit de jouer à des jeux narratifs. D'accord. Voilà. Donc, excusez-moi, donc les mardis narratifs. Et hop là. Ah, nice. Enfin. Ah non, nouvelle augmentation, la jauge de vie. Salut, tu joues plus à Dauntless. Allez, il en fallait un. Il en fallait un. Salut Renaud. On peut trinquer, sortez les bières. Les subs, sortez les bières. Les passes débloqués avec des points de chaîne. Ça y est. Voilà. Voilà, le classique, hein. Je joue à un autre jeu que d'habitude, résultat. Bah alors, tu joues plus à ton jeu? Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment oses-tu jouer à un autre jeu que FF14 et Dauntless? Classique. Classique, classique. J'ai jamais fait gaffe, attendez, je vais re-regarder, je suis à... je ne te répondrai pas, Renaud. Je ne te répondrai pas. Je préfère boire. Bon, c'est de l'eau, hélas. Enfin, j'attaque. Je crois qu'on a encore. Ah non, on a filé la vodka, putain, c'est vrai. Ce jeu est gratuit. Oh putain. Allez, le combo breaker, un petit troisième. Et le surproche si long, troisième. Est-ce que. Quelle pourrait être la troisième question stylée? Ça serait. Est-ce que tu vas streamer Shadowlands? Voilà. Voilà, 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 voilà. Oh, un petit bibou! Un petit bibou! Salut! Il est mignon! Moi bien! Moi bien! Attends, je peux caler l'âme d'Artemis. Oh ouais, c'est bon. Pendant que je le fais, je peux la rendre plus puissante. C'est quoi les gars? Il est sur PS4 ou pas? Il n'est pas sur PS4. Donc, ça, je peux répondre. Oui, pour ça, il faut avoir les connaissances à RPG. Hein. C'est quoi la résolution pour live en 900p? Hein, je sais pas si c'est une blague ou pas, ça. Papimif par contre. Tout le reste, je sais que c'est des blagues, donc je vous ignore tous. Mais Papimif, je sais pas si c'est une blague ou pas. Comment ça, la résolution pour live en 900p? Bah, c'est que tu mets en 900p. Non, c'est vraiment pas une blague, d'accord. Bah, c'est que tu mets en 900p. Je comprends pas. Je comprends pas.
Regarde, tu vois, moi je suis dans XSplit, résolution en fait, je mets 900p. C'est Pookie qui l'a fait. Alors voilà, l'âme d'Artémis, nouveau pouvoir, l'âme plus puissante. Ça, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça bien comme upgrade, vous voyez. En gros, t'as pas de nouveau combo tout le bordel, tu tapes plus fort. Simple, efficace, tu tabasses. Le prochain, c'est... Oh la vache, l'âme plus puissante, 10 000 orbes. Ouais, c'est pas tout de suite. Ah, attends, mais j'en oublie que j'ai... Attendez, les gorgones. Les gorgones, maintenant, j'ai le truc instant, logiquement, attendez. Ah ouais, les toutous. Bon, ça va pas marcher sur le gros, étrangement. Hein. Allez, une tête en moins. Y'a pas une tête qui a sauté là pour le coup? C'est juste une petite barre de l'os. Salut Loydon, c'est une blague Loydon ou pas pour la curiosité? Parce que je pense que c'est une blague, mais bon, on sait jamais. On va se faire sur Blizzard. Ah bah je l'ai eu, hein. Ouais, je l'ai fini. Ouais. Streamlabs OBS? Ah, j'utilise pas OBS pour les plus. Ah merde! Les chiens sont sourds! Faut que je me concentre là. Oh là là! What? Y'en a deux? Mais non! Non, il est pas sur PS4, c'est God of War 3 qui est sur PS4, c'est la version remaster, ça c'est le 1. Qui a 15 ans pour le coup. Ah! Il y en a 3! Et il balance des boules de feu! Ah oui, non mais là. Ah oui, non mais là on a une problématique là. On a une problématique de type PLS dans ma gueule là. C'est une... Ok, alors j'ai vu qu'il y avait les coffres. Hein. Faut que je joue plus safe. J'arrive même pas à sortir mon arme. Complètement, mais je suis un connard. Je pense que je vais oublier beaucoup trop. Mais il fait super mal. Non mais c'est... Oh. C'est pas de moi. Le Nina. Non, ça repop derrière. Mais non. Oh. Le docteur, une torture visuelle, Oliver. Alors, qu'est-ce qu'une torture, Oliver?
qu'est-ce qu'une torture visuelle, Oliver? Dis-nous tout. Oliver, tu me dis un truc, toi. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose, mais pas en bien, pour moi. Y a pas un trophée combat épique. Ah, c'est combat, t'en chies, dernier point de vie, quoi. Ah, niveau graphisme, il est loin d'être dégueu, le jeu. Pour le coup, pour un jeu qui a 15 ans, c'est une sorte de remaster HD, mais pas si mal. Non, mais Oliver, il me dit un truc. Mais je crois que j'ai pas forcément un bon souvenir. Je vous trompe peut-être, hein. Oh. Non, ils sont sérieux, là. Non, mais il y a eu un petit coffre, il me rebalance deux énormes trucs, là. Et bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir le docteur, bonsoir Mr. Prof. C'est pas dire bonsoir ou bonjour quand vous arrivez sur la chaîne, c'est normal. Oh putain, je te dis ou pas. Bah, je laisse une chance, Yorza, tu me connais, je suis à ce qu'il y a le patient, est-ce qu'il y a le tempéré, évidemment. C'est bien ce qui m'est fini. Je suis curieux, tu vois. Bien toi stimulé sur la chaîne, j'ai un doute. Plusieurs personnes avec un pseudo avec prof de langue, donc j'ai un vieux loot. Oh putain. Est-ce qu'il y a le cynique? Très ironique, très cynique, bah, troll pas moi. J'appelle pas ça du troll. Ghostix si je préfère aussi. Bah voilà, non Oliver, je pense qu'il pourra pas. Il pourra rien proposer d'autre que dire que c'est une torture habituelle. Je pense qu'il va aller rejoindre. Je pense qu'il va aller rejoindre le Banhammer. T'as bloqué les points de chaîne, j'en gagne plus. Non, non. Alors j'ai rien changé pour les points de chaîne pour le coup. Au contraire, il faut que vous en gagnez là, les points de chaîne. Là, j'ai envie de vous en gagner pour vous proposer. Pour vous proposer le concept que j'annoncerai lundi d'ailleurs. Lundi 20h, annonce pour les points de chaîne. Et mercredi 20h, ça sera l'utilisation de l'annonce. Vous verrez ça. 21 000 points, il va falloir que tu gagnes plus. Hein. T'as des mecs qui ont plus de 200 000 points, ça, je suis. Il va falloir vous donner, mais rassurez-vous, peu importe combien de points vous allez pouvoir avoir un impact. C'est ça qui est beau. Le jeu, c'est que je veux que vous ayez un impact. Tu vas faire du décapé. Peut-être. Tu verras. Ça, t'es toujours pas au courant, toi. Mais au final, parce que je l'avais dit à Nat, mais ce que j'ai dit à Nat, j'ai encore changé d'avis. Hein. J'ai trouvé une meilleure idée encore. K c'est pas mal alors la matata, mais je crois qu'il y a personne qui vend pilou pilou qui a 270k. C'est FK dans le stream pour booster les points, moi ça me va. Allez Oliver, je crois que tu m'avais déjà cassé les couilles, dans le doute je vais te ban pour le bon. Voilà. Si je me trompe, n'hésite pas évidemment à contacter les modérateurs qui adorent s'occuper de ça, notamment Sombrero. Sombrero, sa grande passion c'est de s'occuper des refoulés de la chaîne. C'est sa grande passion à Sombrero. Il adore ça. Oh putain. Ok. Est-ce qu'il j'ai un souvenir que c'est un mec, à chaque fois qu'il arrive, c'était pour lâcher un commentaire dégueulasse. Oui, il avait déjà été ban, hein, c'est ce qui me semblait, hein, son bureau. Je me trompe rarement, quand même, là-dessus. C'est une mémoire sympa. 160k, Kamset, pas mal. Voilà, donc, en tout cas, si vous avez été banni de la chaîne et que vous voulez être débanni, n'hésitez pas à le demander à Sombrero. C'est un plaisir pour lui d'avoir affaire au refoulé. Hein. C'est sa grande passion. Mais j'en ai un pareil sur YouTube, attends Gladia, c'est rigolo. Ouais. J'en ai un pareil sur YouTube. Sa grande passion au mec, c'est que si toi il y a généralement un ou deux dislikes, surtout que j'avais pas beaucoup de dislikes hein, sur YouTube, bon, je suis assez fier d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Bon, ça me motive encore plus. Bon, allez, hop, ras le bol. Banzai! Bam! Et t'as un mec, dès que je lance une vidéo, généralement, au bout d'une heure, il y a le dislike qui est là, c'est toi même. Et qui vient de me faire un commentaire de merde sur toutes les vidéos, en mode je suis un connard, je suis un débile, enfin, tout ça. Si on n'a pas été banni, on peut lui demander d'être ban. Ah, tu peux être ban, ça c'est pas très productif, mais tu peux. Tout est faisable. Un petit coup de foule et ça passe easy, non. Regarde ma mana. Le bon sens, regarde ma mana. Je n'ai pas le coup de foudre pour tes propos, ouais. On va parler des anglais qui rentrent sur la vidéo, genre le gars en compris. Mais alors ça je sais pas, mais c'est pas le premier non plus hein. Non sinon c'est ouf hein, ce qui se passe sur Véo. Enfin c'est une dinguerie là la dernière vidéo. Là elle va bientôt faire 1000 vues en 24 heures quoi en fait, c'est pas ouf la blague. Et pour moi c'est beaucoup.
Là, la nouvelle vidéo, bientôt, c'est 1000 vues en 24 heures. Hein. Et tu mérites un ban à SK. Ouais. Ah, mais moi, je pense que je mérite un paquet de ban. Hein. Le problème, c'est que bon courage. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Casse les couilles, les cleps. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je vous ai compris. C'est bon. Pourquoi c'est pas fini? Qu'est-ce qu'il reste? Ah putain! Encore des cleps! Oh, je les aime pas les petits coups. Oh, je les ai découpés tellement salement! Ouais, c'est bon. Ah oui, non mais clairement. Ok, c'est bon. Ah, alors, c'est pas ouf. C'est où? Mais elle a cut, non, ou elle a fait une pause? Elle a pas cut quand même cette casu, elle doit faire tous les Life is Strange là. Rassurez-moi, elle a pas cut la casu de Nat. Putain, j'ai bientôt un lit de 5, je vais passer ma soirée la nuit ici. Merde, ça remonte! Attends, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Ah! Oh, un coffre! Ok. Attendez, j'en ai. Merde! What? C'est quoi ce coffre troll? Mais non. Le gars qui a posté ce com, il y a une vidéo où il dit Fortnite, il a 34 vues. Attends, what? Comment ça? Attends, je veux voir ça. Comment ça? C'est-à-dire? Attends, il est où le commentaire? Moi, ce que j'aime bien, c'est ce genre de mec, tu vois, sinon. T'as lui, tu vois, regarde, je viens seulement de voir la vidéo quand tu dis je n'accepte pas les décisions de mes potes streamers, qu'elles soient correctes ou non, le problème vient. Eh ben, y a plus la... il a supprimé son commentaire. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a quelques-uns comme ça, en fait, c'est les gens qui n'assument pas, tu vois, qui essayent de m'attaquer ou autre, ils enlèvent tout. Je n'ai rien enlevé, hein. Ils enlèvent leurs commentaires, c'est assez rigolo. Ah, attendez, il est où l'anglais? Il est où? C'est quoi l'histoire? Ah oui, voilà. Non-copyright music, a recent job, you're great, would love to be friends, ok. Attends, what? Il a dit 100 000 fois Fortnite en 5 secondes et il a 35 000 vues. What? Attends. To be honest, I didn't know how to build up the dramatic effects, I just did this. Yeah, I don't know, don't ask, okay? Just keep on watching, it'll be worth it. Et en plus, il a un son dégueulasse, on n'entend rien. Mais non, mais il est trop fort, c'est un génie. C'est un génie. Et il a que 17 000 vues comptabilisées, je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. Je suis pas prêt pour ça. Je comprends pas. C'est pour ça que moi, YouTube, ce que j'aime bien avec YouTube, c'est de pouvoir, en fait, je me pose pas de questions, vous voyez. Je parle pas aux gens. Je fais mon truc dans mon coin. Et je regarde un peu ce qui se fait, vous voyez. Mais je regarde, alors, je regarde pas les streamers New World. Je regardais un seul streamer New World, un seul YouTuber New World. Il a dit beaucoup de conneries, ça m'a saoulé en deux secondes. Et en plus, c'est ta faute, son bureau, je t'en veux pour ça. Et attends, il est où le coffre? Il est là. Non! J'en ai marre. Deuxième fois que je meurs là-dessus. Pour rappel, je reprends un bout de Kit Kat. Karma. C'est bon maintenant, je regardais où c'était. Allez, 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 allez. En vrai, c'est pile poil, hein. En vrai, c'est pile poil de ouf, hein. Oh putain, encore! Non! En vrai, c'est chaud! Par contre, les... Ah, y'a des moustiques qui volent! Putain, casse-toi! Ah! Je me fais attaquer! Secours! Ah!
Non! Putain de moustique! Ah! Je crois qu'il m'a piqué en plus. Saloperie! Mais non! Bordel! Il est où? C'est injuste! Et j'ai un combat IRL à mener en plus du stream. C'est injuste. Hein.